Yo les gens, c'est Fat281HD, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo, information concernant la première mise à jour transfert qui a eu lieu sur FIFA Ultimate Team. Donc au début elle était seulement disponible sur PlayStation 4, c'est d'ailleurs pour ça que je suis actuellement sur la Play 4. Mais au moment, enfin quelques minutes avant que je commence cette vidéo, elle est disponible sur Xbox One maintenant. Donc ça y est, vous pouvez, pour les joueurs de Xbox, commencer à essayer de rechercher les nouveaux joueurs. Donc au niveau des nouveaux joueurs, on a Nikolic en version Chicago Fire, je vais aller dans ce sens là. Van Ginkel version PSV Eindhoven, Sioras version Leganés, Kolodziejczak version Borussia Mönchengladbach, c'est compliqué à dire, et surtout ça fait un nouveau défenseur central en Bundesliga. Donc après bon, voilà, évidemment il y a quand même déjà des gros décès, mais pour ceux qui veulent caler des petites hybrides, ça nous fait un petit français en plus en Bundesliga. Je sais pas du tout si ça se prononce Bazoer ou Bowser, je sais pas. Bazoer version Wolfsburg, Rincon version Juventus, on a Clemens version Cologne, Musonda version Chelsea. Donc Conte avait dit qu'il allait le rappeler. Le truc c'est que je savais même pas, enfin j'ai pas souvenir d'avoir vu des photos de lui déjà à Chelsea, enfin du côté de Londres à Chelsea. Si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, parce que ça m'intrigue déjà de voir le transfert déjà effectué sur FIFA Ultimate Team. Julian Draxler version Paris Saint-Germain, bien évidemment on kiffe, hein, bien évidemment ça on kiffe. Bon pour l'instant il est assez cher, 25 000 crédits, je vais attendre que ça baisse, je le prendrai et je ferai une review bien évidemment maintenant qu'il est en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Ça sera l'un des meilleurs joueurs du jeu, forcément. Sigurdsson version Nantes, Aquilani version Sassuolo, Berhon version Real Oviedo, Sambuesa version Toluca, Stendardo version Pescara, Castillo version Unam, Penalba version Cruz Azul, Karabukh Sport Selenziov, Zaccardo en version Vincenza. Notez que là, comme vous pouvez constater, il est défenseur droit alors que de base il est défenseur central, et il a des stats fantastiques pour un défenseur droit. 55 de vitesse, personne ne va l'utiliser. Mezza version Independiente, Diente. À chaque fois, je sais pas, j'arrive vraiment pas à prononcer ce nom-là. Alou Diarra version Nancy. Alors là, ça m'étonne qu'il soit seulement mis maintenant, parce que ça fait quand même un certain temps que Alou Diarra il est à Nancy, mais bon. Gilbert version Caen. Wilson version Manchester United, Bravo version Boca Junior. Donc ça c'est l'équipe, la première équipe. Il y a eu d'autres transferts, j'ai pas encore le document Google que je mets habituellement dans ce type de vidéo, mais en attendant je peux vous mettre un autre lien pour ceux qui veulent voir tous les transferts qui ont été effectués. Par exemple, il n'y a pas de Lo Celso encore, pour ceux qui ont me demandé est-ce qu'il y a Lo Celso version Paris Saint-Germain. Non, il n'est pas encore disponible, il faudra sûrement attendre la prochaine match. Et d'ailleurs ça m'étonne, je pense qu'ils auraient pu le mettre parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs argent et surtout énormément de joueurs bronze disponibles dans cette match. Donc j'ai quand même déjà trouvé un lien, je vous le mettrai dans la description, puis je changerai quand le lien Google sera là. Si t'as kiffé cette vidéo, pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo, t'aimes ta famille, à tout le monde. On se retrouve demain matin, enfin tout à l'heure au final, parce que demain matin non, ce n'est pas possible, il est déjà plus d'une heure du matin. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 8-9 heures pour le début du live sur FUT Champion. Je vous dis à la prochaine et j'en prenez soin de vous, ciao.